Bonjour les amis, de retour sur Cyberpunk pour une mission secondaire, donc mission annexe vous préférez, se rendre à l'appartement de Judy. Donc ici j'avais tué les... Sur une prochaine vidéo j'avais tué ce type. Nous allons emprunter la voiture et que je vous montre un petit peu la carte. Actuellement, toutes les zones ici, j'ai fini à peu près les missions qu'il y avait. Là, je vais finir exactement les deux qui sont là. Ensuite, je repartirai faire sur cette zone ici, faire les 1, 2, 3, 4 qu'il y a là. Et ensuite, je ferai d'autres vidéos. Ensuite, je finirai toute cette zone après, vous voyez. Je m'arrêterai jusqu'ici. On a pour un petit moment. Bah sur ce, bah je vais continuer donc la vidéo. Donc je vous dis bah je parlerai plus tard. Allez, bon visionnage. J'ai juste un peu baissé le son de musique. Pour bien, sauf. Je suis donc arrivé à destination. J'entre ici. Salut toi le geek. À quoi tu joues? Bonne Game Boy. Et toi le geek? Je suis pas d'humeur. Tu veux pas me lâcher? Ah, je suis donc à l'appartement. Tu t'ouvres sur l'appartement là? Voilà. Dans la salle de bain. Merde. Pour te remercier de lui avoir sauvé les miches, cette conne a rien à faire. Je suis juste sorti une heure. On peut pas la laisser là.
pas d'emmerde. J'appelle tout de suite les flics. Tu peux la mettre sous le lit. Comme si ça allait changer quelque chose. On devrait pas la déplacer avant l'arrivée des flics. C'est juste une pute morte de plus pour eux. Ils s'en foutent. On peut la traiter avec dignité. C'est la moindre des choses. Et merde. Je voudrais signaler une mort accidentelle. Northside. Jackson Street. Non. Aucun danger immédiat. Non! Aujourd'hui, j'ai dit qu'elle était morte! Non mais vous êtes bouché ou quoi? Non, c'est pas la trauma team qui a prononcé le décès. Je serais pas en train de vous parler si elle était assurée. Si vous bougez pas votre cul, c'est moi qui vais me déplacer! Et je vais foutre le feu à votre putain de commissariat! Alors vous allez venir m'arrêter, bande de baltringues? Faut pas s'énerver avec la police, oh. Parfait! Faites un rapport sur moi, je m'en bats les ovaires. Ils vont pas tarder. Ils m'ont dit de la mettre dans de la glace jusqu'à demain. T'y crois à ça ? Alors, qu'est-ce qu'on va lui répondre ? Voilà. Bienvenue à Noise City, on va quand même pas répondre ça. Le NCPD, mèche. Le NCPD est débordé. Ça va être resté politique. On va prendre celle-là, les amis. Tu sais, c'était ta meilleure amie. Alors, pour toi, c'est un drame. Mais ils doivent recevoir des tonnes d'appels comme ça tous les jours. Prends pour leur attaché de presse ou quoi? Non, je te dis ça comme ça. Je vais l'habiller. Je veux qu'elle ressemble à une personne, pas un cadavre. Tu peux attendre dehors. Ok, ok. Ferme la porte, V. Un petit chargement toujours qu'il y a dans Cyberpunk hein, pour attendre que ça se passe, un petit carré noir. T'as une clope? Je savais pas que tu fumais. Je l'ai arrêté il y a des années. Mais là, il me faut plus que de l'air dans les poumons. S'il te plaît, V, juste une. D'accord, tiens. C'était son étui à cigarette. Tu veux le garder? Non. Il a l'air de te plaire. Garde-le. Ça me fait plaisir que ce soit toi qui l'aimes. Alors je sais que dans le jeu tu peux avoir une histoire d'amour avec elle, mais faut donner surtout des bonnes réponses. Moi les bonnes réponses je crois que je les ai sûrement pas données. Putain Evie. On verra par la suite les amis. J'ai pas été là pour elle. Je pensais que si je lui laissais de l'espace et que j'étais patiente, elle finirait par aller mieux. Sois forte. Alors, sois forte. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. J'en reviens pas qu'elle a baissé les bras. Je vais dire sois forte. Hein. Sois forte, Judy. Te laisse pas abattre. Tu
sais quoi? On devrait se taire pendant une minute, ok? Tu te rappelles quand Fingers a dit qu'Evie avait passé 4 jours chez lui? Ouais. C'est ce qu'il a dit. Tom m'a dit plus tard qu'elle avait disparu du Cloud une semaine avant que tu te pointes. Quand j'ai su ça, j'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. J'arrêtais pas de me demander ce qui lui était arrivé pendant ces 3 autres jours. Alors, j'ai fouillé dans ses vertus. J'ai trouvé Woodman. Il l'a séquestré. Il a abusé d'elle. Si tu savais ce qu'il lui a fait. Et quand il en a eu marre, il l'a revendu. J'aurais jamais dit que ce type était un monstre. Pour moi, c'était juste une ordure de base. Il cachait bien son jeu. Je le connaissais, mais j'aurais jamais imaginé qu'il puisse être aussi taré. Je dois pouvoir y faire quelque chose. Comme quoi? Je sais pas encore. Je vais appeler Suze, je crois. Merci, V. Désolée, mais je préfère rester seule. Je t'appelle, promis. Merde! Non, mais c'est gentil de demander. S'il y a quoi que ce soit, contacte-moi via Holo. Je dois quitter la pièce. Voilà, mission accomplie les amis. Sur ce, je coupe la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo sur Cyberpunk sur ma chaîne. Bah, n'hésitez pas à vous abonner et mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, portez-vous bien. Allez, tchuss.